Eh bien, salut à tous, c'est Grand Shooter. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft édition PlayStation 4 où je vais vous présenter une map que j'ai fait avec deux amis. Je mettrai leur pseudo dans la description si vous voulez parler avec eux sur le PSN. Je pense qu'ils accepteront. Mais là, j'ai pas pu faire la vidéo avec eux parce que bah, ils sont pas cons. Donc, bah, je vais la faire tout seul et puis je leur dirai, bah voilà. Donc voilà, alors je vais descendre en bas. Et cette map là, c'est un truc de Destiny. Pour les joueurs de Destiny, je pense que vous la reconnaîtrez. Bon voilà. Là c'est le lieu de spawn hein, que j'ai fait avec des potes. Ouais, deux potes. Hein. On a fait la map, on a mis 2 mois pour la faire. Donc voilà. Bon, je vais sauter là-dedans. Hop. Alors voilà. Alors c'est la, pour ceux qui connaissent pas, c'est la tour de Destiny. L'endroit où on va chercher les contrats, bah tout ce qu'il y a à faire pour Destiny quoi. Bon, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu de, bah c'est le lieu de, où on le lieu des gardiens, la tour des gardiens quoi. C'est la tour. Bon voilà. Alors on va commencer par la visite, bon, la visite de la tour. Donc voilà, là il y a bon, la crypte arc. Le cryptorque ici. Là il y a le l'armurier. Bon, j'ai pas présenté toutes les factions parce que ça va être un peu long pour la vidéo. Là il y a c'est le commis des postes. Là il y a le truc des commandes spéciales. D'ailleurs il n'y est plus là depuis la mage là. Bon voilà, on va aller à l'avant-garde. Là il y a la brigadier de l'épreuve. Là, il y a la brigadière pour les armes de l'épreuve. Bon, là, c'est l'avant-garde. Là, il y a Ikora. Là, il y a. Je sais plus comment il s'appelle. L'avant-garde des chasseurs. L'avant-garde des titans. Donc, voilà. Ici, bon, voilà, j'ai fait ça. Bon, voilà. Bon, voilà, ici. Maintenant, là, il y a Xur. On a fait Xur en tout petit. Histoire de se moquer un peu de lui, tout ça, parce qu'il nous vend de la merde, à part le week-end dernier, le week-end il y a 4 jours ou 3 semaines, je sais plus, il y a vendu le Jalahorn, bon voilà. Mais ça fait longtemps que voilà, qu'il a pas été mis. Bon, là on va vers le guide. Là c'est la nouvelle monarchie, ici. Là autrement. C'est un emplacement de Xur aussi, où il peut se mettre. Bon, je vais enlever l'appui, juste. Hop. Là, il y a Eva Levante. Là, ici. Eva Levante. Là, il y a le guide. Voilà, avec le petit truc là. Voilà, le guide est là. Voilà, petit coffre. Alors, aussi, je vais vous expliquer un truc sur la map. Ça, c'est une map Hunger Game, ça. Bon voilà, on peut faire une map 4 joueurs, 2 contre 2. Bon, on peut faire plus, mais bref, pour les lags et tout ça, je pense que j'avais dit qu'on serait 2 contre 2, ça. Alors, si vous voulez faire un Hunger Game avec moi, envoyez-moi une demande d'amis sur le PSN, vous tapez Run Shooter. Et puis voilà, vous pouvez m'envoyer une demande d'amis pour les joueurs Minecraft, si vous voulez faire un Hunger Game avec moi. On peut, il y a moyen. Bon voilà, ici bah c'est là il y a Maître Saladin pour la bannière de fer. Là ça je devrais l'enlever, mais je vais le laisser parce que c'est au début de Destiny. En fait là c'est comment ça s'appelle, bah, c'est Petra, mais pas Petra comme maintenant à la tour du récif, mais c'est Petra comme au début de la sortie où il y avait les contrats de l'arène au début, hein, au début du jeu. Bah, pour ceux qui connaissent, bah voilà, ils vont s'en rappeler. Donc voilà, maintenant on va aller faire un tour. Du côté des vaisseaux. Hop, bon, voilà, ici, voilà. Alors, ici, le petit vaisseau. Au calme. Voilà, un petit vaisseau. Voilà. Autrement, bah là, il y a la brigadière de l'avant-garde. Elle vend des armes. Là autrement bah il y a l'astre de la mort, l'astre mort.
Là, il y a celle qui vend les vaisseaux, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, je sais plus comment elle s'appelle. La meuf des vaisseaux. Bon, là, il y a le culte des Gaffadurs. Les armes et équipements. Bon, voilà. Autrement, qu'est-ce que je peux vous faire voir? Bah, ici. Voilà, là, la petite entrée, je devrais la fermer parce que c'est un peu. Je devrais autrement, je devrais fermer. Ce serait mieux. Bon, voilà, ici, un emplacement de Xur, ici, bah, au fond, là-bas, où je mets mon curseur. Voilà, là, le petit jukebox, ici, là. Pour la sono, là, tout ça, voilà. Le truc qui s'est installé Bengi récemment. Sinon, on va sortir, je vais faire un vue aérien. Dans les airs un peu, qu'est-ce que ça donne? Bon, le nuage il fait un peu chier, c'est que de le dire. Donc voilà, vu de haut. Et cette map là, oui, bah on a mis 2 mois pour la faire. La petite planète, la Terre. Donc voilà, la vue comme ça. Voilà, faire une vue. Bon, pas dans tout, ça fait moche, vu dans tout, ça fait très moche. Hein. Ça fait mal dans tout. Bon, là, fait, je vais le mettre à peu près comme ça. Voilà. Bon, voilà. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Et puis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, Destiny, Black Ops 3 à venir. Et The Taken King pour le 15 septembre. Voilà. Tchuss. Bye.